Hey Yomina, c'est Maître Drian et on se retrouve pour la suite, pour l'épisode 55 de notre Let's Play sur Digimon World Next Order. Et on est vendredi. On va... Allez, ok, donc là y'a rien. On est vendredi, on va aller au désert du serveur. Pourquoi? Eh ben, tout simplement pour aller voir le cher Magnamon. Qui n'apparaît uniquement dans le désert du serveur le vendredi et pas les autres jours. Allez, on y va. Oh, un humain, quelle rencontre des plus fortuites. Je suis Magnamon, des chevaliers royaux. Je te cherchais, donne-moi un autographe s'il te plaît. Quoi? Bon, un autographe? Je ne comprends pas. Et le résultat d'une Es-tu le résultat d'une invocation pour sauver ce monde? Ou alors pour ton... Ok. Les chevaliers royaux sont tout le temps invoqués pour de tels événements. Ah, je comprends. On t'a engagé pour me faire quelque chose de terrible, hein. Impardonnable. Mais non! Bon, ok. Bon, il croit que je veux me... que je veux démonter le monde. Je vais te faire comprendre qui c'est le vrai boss de cette game. Allez. On va même pas faire une évolution exé, ça sert à rien. C'est pas utile. Ok. Non mais vous avez que j'ai lancé votre ultime? Ah. Bim. 8000. Bon, il est assez costaud, ça va. Enfin, un petit peu costaud. Tir de plasma. Assez stylé. Voilà, nickel, on remplit ça. 56-52. Ok, quasi à moitié de ses PV parti. Ah, il était pas... Ouais, il est niveau 45, j'étais en train de me demander quel niveau. Bah ça va, franchement, il est assez simple le niveau. Voilà. Bon, il envoie quand même du lourd. Côté dégâts, il fait quand même mal, ça c'est sûr. Mais c'est passable. Ah, il a déjà 220 mon Digimon. Prends un peu de heal. Allez. On peut faire un ultime rassemblé. Ah, il veut pas. Il veut toujours pas. Allez, go! Ike? Ça va, il est bien affaibli. Oh, 7000 PV, c'est très peu. On t'ordonne un petit coup. Attends, et tue-le. Voilà, dégage. Waouh, quelle force! Je m'excuse, on dirait que je me suis trompé. Tu parles d'Exvimon. Exvimon, tu dis. Eh bien, si tu en as vraiment besoin, je pense que je peux te donner mon autographe.
à une condition. Dis à cet Edgemon d'arrêter d'idolâtrer les chevaliers royaux, qui viennent plutôt combattre contre nous. Je pense que combattre est un peu exagéré, mais ne deviens pas plus fort en admirant quelqu'un, tu sais. Je crois que je vais me rendre à la ville pour revenir à mon objectif initial. Je suppose que ça te convient. J'ai tout compris à ton sujet pendant notre combat. Magnamon, le chevalier royal, va te prêter sa force. Yeah! Retournons voir Exvimon maintenant. Exvimon! J'ai refait le retour pour toi! Allez. Oh! Waouh! Tu as réussi! Hein? Il y a un message pour moi? Waouh, c'est super! Oh, je vois. Avoir un autogramme de mon idole ne me rendra pas aussi fort que lui. C'est ça son conseil? Je comprends. Je prenais les choses à l'envers. Cette expérience m'aura au moins pris ça. Je vais à la ville et travailler pour devenir un Digimon admiré par les autres. Va le dire à Vidramon et Magnamon. Bon, bah on va botter les fesses de quelqu'un d'autre maintenant. Vas-y, tiens, toi, tu seras la cible aujourd'hui. J'ai envie de te démonter. Oh oh oh, te voilà, Shiki, c'est ça? Je suis Lilithmon, l'un des 7 Digimon capitaux. Tu es la personne qui a sauvé ce monde, n'est-ce pas? J'ai entendu la rumeur et je me demandais à quoi tu ressemblais, mais tu n'es qu'une mauviette, je suis déçu. Je ne pense pas que tu puisses me satisfaire. Bon, je vais te laisser m'affronter pour passer le temps. T'es un peu bête, non? T'auras bien besoin de muscler ton cerveau. Je vais faire simple, viens m'affronter. Oh oh oh, c'est parti. Ça fait longtemps que je n'ai pas combattu. Je ne laisserai passer aucune erreur. Je suis désolé du mot, mais Lilithmon a son comportement dans le jeu là. C'est une véritable connasse. Et je vais pas laisser passer ça. Je ne vais pas laisser passer une telle affront. Douleur mythique. Ok, elle a pas l'air d'être compliquée. Elle a l'air d'être plutôt facile à vaincre, franchement. Je vais être un peu déçu là. Allez. Elle se prend des coups de tous les côtés. Eh ben mon petit Jessmon, t'es devenu tout pixelisé. Ok, on peut pas l'utiliser. Je vais vous soigner. Allez, go. Ah, j'ai dit, c'est pas ma technique, ça, là. Ah bah voilà, on a reçu 0 dégâts. Ok, bah t'as souffert ma grande. Oh, elle a osé me le tuer, cette coquine. Voilà, on peut faire un petit combiné pour la terminer. Ike. Elle était purée de simple de ouf. Allez. Comme c'est agréable, Shiki. Ça change des combats habituels avec les autres Digimon capitaux. Tu m'intéresses, humain. Peut-être que je peux t'aider un peu. Contrairement aux autres Digimon capitaux, je peux être très complaisante. A bientôt. Ok. Bon, au début, t'étais une vraie connasse, mais là, il y a moyen de passer. Allez, on y va, on rentre. Tu es de retour, Shiki, j'ai une bonne nouvelle. Lilithmon est revenu à Flotia. Elle est allée au quartier dimensionnel, pas étonnant, c'est l'endroit idéal pour les 7 Digimon capitaux.
La prospérité de la ville est de 154, je n'aurais jamais imaginé en arriver là. Allez, vas-y, ceux-là, on va essayer de les affronter. Franchement, je suis chaud. Oh, ne serais-tu pas... Tu es cet humain, j'ai oublié ton nom. Maître Gankumon, je crois que celui-ci s'appelle Shiki. Oui, c'est ça. Bien, qu'en penses-tu d'un combat? Maître Gankumon, ne devrions-nous pas assurer qu'ils ont fait les préparations nécessaires? Allons-y. Voilà. Tu as hâte de commencer? Très bien, on va t'attaquer avec toutes nos forces. Alors, Jessmon et Gankumon, hein, contre un autre Jessmon. Ok. Ils font vraiment pas si mal que ça, mais on va soigner en cas où d'un combo assez casse-couille. On va leur mettre un petit exé dans la gueule dès possible. Voilà, relevez-vous. Exé. On va faire ça. Ah non, allez, on va lancer une exé direct. J'aurais pas dû les soigner de suite en fait, j'aurais dû balancer la exé direct. Je me suis dit on va peut-être les combattre, mais ils ont l'air d'être un petit peu plus coriaces. Donc on va quand même balancer une exé en cas où. Je pense que ça peut être pas mal. Comme ça au moins c'est cool. Alors donc un magnifique Imperial Ramon Fight Modo. Allez Gankumon, Jessmon, le vrai combat commence maintenant. Oh, 12 000 dans ta gueule. Alors, c'est qui le pro ici? Oh, elle démonte sa technique. Oh, elle démonte sa mère. Oh, je surkiffe sa race. Ah non, mais franchement, elle est bien. Ok, Gankumon est en train de prendre cher. On va dire clairement, il prend cher. Regardez-moi ça. Bim, le dragon. Ah non, c'est trop kiffant de ouf, les mecs. Voilà, on va faire ça. On va faire un petit côté de heal. Pouah, les dégâts qu'il inflige! Putain, mais mon Imperial Ramon là, il est overboosted. Cette technique là de Jessmon est juste insane. On va heal, mais je ne pense pas que c'était nécessaire avec le double heal qu'on a, mais bon. Fais une explosion pour éjecter. 5000 de dégâts! Putain, mais il est déchaîné, mon... Regarde-moi mon Imperial Ramon! Regarde-le! Allez, il envoie chier le Digimanader. Oh, putain, c'est un fifou de la vie. Ah, je kiffe. Allez, attaque. Allez, la régénération de PV t'est suffisante, pas la peine de redonner un boost de soin. Allez, encore une attaque. Une attaque et tu le démontes. Vas-y, tape-le. Voilà, bien joué. Oh, 72 000 bytes, ce qui est juste insane. Ouragan. Waouh. Bien joué, tu as réussi haut la main. Tu es d'accord avec moi, Jessmon? Oui, nous pouvons donc te prêter main forte sans problème. Content que tu sois d'accord. Allons à la ville, j'ai hâte qu'on se revoie. Ok, il n'y a pas de souci. Bon, bah nous, on va rentrer dans le War Gigimon et on va cesser là pour cet épisode qui a duré quand même une bonne demi-heure, mais avec les cuts...
Parce que je vais cuter les moments où on va faire toujours les trajets pour se promener. Je sais pas combien durera en temps réel après, mais. Tu es de retour, Shiki, j'ai une bonne nouvelle. Jessmon a rejoint la ville. Il est allé au quartier dimensionnel, il a peut-être rendez-vous avec les autres chevaliers royaux. Gankumon a rejoint la ville, et donc il va rejoindre les autres, il est allé au quartier dimensionnel. Je crois qu'il veut en savoir plus sur le téléporteur. La prospérité de la ville est de 156, je n'aurais jamais imaginé en arriver là. 156, c'est juste nickel les amis. Bon les amis, on va se laisser là. J'espère que cet épisode vous aura plu, n'hésitez pas à commenter, à liker ou à vous abonner. Je vous dis à très bientôt, et à la prochaine. Ciao ciao Mina.